la maîtresse qui vient aussi. Alors, oui, c'est juste, justement, elle vient pour préparer tout ça, le machin. Entrez, entrez. Elle lui a quand même coupé un peu. C'est une deuxième. Ouais. Ouais. C'est comme si pendant quelques semaines. Ah oui, c'est vrai, ouais. Adrien, tu es où? Mets tes deux bras à l'arrière, comme ça. Voilà. Oh, comme il est beau. On dirait un ange. Oh oui, vu comme ça, il est mignon, hein. Il a l'air drôlement mignon. Après, tu vas faire très sérieux. Alors, tu touches tout de suite un air. Oui, oui, oui. Studieux, oui, oui. Ah là là. C'est très serré. Mais c'est le cas. Oh, ouais. Regarde-moi. Vous avez l'air bien emprunté là dans ces tenues. Hein? Ils ont autant, j'ai l'impression. Oh bah, il y a ça, c'est on serait à moi. Hein. Les costumes, ça. Quelle chance. Une expérience pareille. Ouais. Hein? Bah, Léon, c'est super. Bah, écoute, voilà. En tout cas, ça vous mobilise. Bien, ça vous Vous pouvez jouer, mais faites attention de ne pas tomber à cause des costumes. C'est tout. Sinclair dans l'école où il était avant. Parce qu'il essaye de retrouver ses souvenirs, puisque c'est dans cette école que la dame en noir venait le voir, et c'est une, c'est pas qui était cette dame en noir qui était si gentille avec lui. Et le plan qu'on va tourner aujourd'hui, c'est un drôle de plan, c'est assez rigolo, parce que c'est un plan d'aujourd'hui et aussi un plan flashback. Est-ce que vous savez ce qu'un flashback au cinéma? C'est projeté dans l'arrière. Voilà, c'est ça. C'est un plan qui raconte le passé. Ce qui est rigolo, c'est que d'habitude, au cinéma, c'est des plans différents. Il y a les plans d'aujourd'hui et les plans du passé. Et là, on va essayer de faire un plan flashback à l'intérieur. C'est-à-dire que Rouletabille va rentrer dans le couloir avec son copain Sinclair. Et puis, il va voir les couloirs vides. Il va ramasser une écharpe par terre. Et puis, il va continuer comme ça. Et d'un coup, il se retourne, il revient. Et le couloir, cette fois-ci, il est comme autrefois. Et c'est là où vous serez tous en rang, en train d'attendre pour rentrer en classe. Donc tout d'un coup, c'est le passé, et la caméra, elle va remonter, elle va vous longer comme ça, vous filmer, et arriver à Rouletabille enfant, qui est Jean, et qui sera en train de faire à ses copains
un petit tour de magie avec une boule de billard. Il jette la boule en l'air. À ce moment-là, il y a l'instituteur qui attrape la boule et qui dit à Rouletabille enfant, donc à Jean, de venir parce qu'une dame demande à lui parler. Et donc, la caméra va suivre ensuite Jean s'éloigner avec l'instituteur. Et pensant, ça sera rigolo parce que tout d'un coup, la caméra se retourne, le couloir est de nouveau vide. Et on voit de nouveau Rouletabille en grand et Sinclair qui marche. Vous prendrez en silence chacun un manteau accroché au porte-manteau. Et vous irez tous vous cacher dans les petites pièces de côté, sans faire de bruit. Et quand la caméra se retourne, il n'y a plus personne. Ah ouais. Il y a une autre chose aussi, c'est que le cinéma, c'est très très lent. Il faut être patient parce que on recommence, on recommence, on recommence. Jean, il avait Paul. Pièces pour se cacher, celle-là et celle-là. Toi, tu l'appelles comment? Dylan Dupré. Comment? Dylan Dupré. Ah, Dylan Dupré. Non, Dupré. 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 Stanislas, comment? Grobini. Il adore la pétition. Il y en a là-bas, t'as dit. Si, non, son famille commence par. Raoul. 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 Denis. Denis. Son nom de famille commence par L. Laurent. Lucas. Ouais. Allez, on y va. Thank you.
pourvu qu'on n'ait pas touché au parloir. En tout cas, je vous dis bravo parce que j'ai été très patient. On a fait 22 prises. Et donc, c'est du boulot. On a répété et on a eu 2 prises très très bien. On est surmonté dans le fil. 2 prises, la dernière, ça fait que 2. Oui, une où vous êtes tous de dos et une où vous êtes tous de face. La dernière, c'était la meilleure de face. On pourra mettre ça. Ça dépend. C'est la raison du montage, on verra. Que lorsque le père Simon venait me chercher pour aller au parloir, m'attendait la dame en noir, pourvu qu'on n'ait pas touché au parloir. Et tout disparu. Je n'ai jamais été aussi heureux, même aux heures des plus folles récréations, que lorsque le père Simon m'appelait pour aller au parloir, où m'attendait la dame en noir. Pourvu qu'on n'ait pas touché au parloir. Elle venait à la tombée du jour, quand le parloir n'était pas encore allumé. Je n'ai jamais pu voir distinctement son cher visage. Alors quand elle me serrait dans ses bras, je m'enivrais jusqu'à en défaillir de son parfum. J'ai moins vécu avec son image qu'avec son odeur.